Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine The Majora Mask de la marque First Four Figures. C'est une marque qui fait des figurines en PVC de qualité, mais également de la résine. C'est sorti fin 2020 et vous avez trois gammes. Donc la version standard qui a un socle très basique, qui n'a pas de lumière. Elle est vendue aux alentours, je vais vous dire une fourchette parce que c'est en fait en fonction des magasins, aux alentours de 60 €. Vous avez la version collector que vous avez en face de vous, celle avec le socle lumineux mais également les yeux, qui coûte aux alentours de 80 €. Et vous avez la version exclusive qui est en fait la même chose, mais elle est dans une boîte cartonnée façon chaussure avec une carte qui est vendue à 120 €. Premier petit coup d'œil, je trouve la boîte vraiment splendide. J'aime beaucoup ces boîtes façon fenêtre. Regardez un petit peu, ça me fait vraiment penser, si vous voulez, aux boîtes Portrait of Pirate de chez Mega House. Mais c'est pour moi la même qualité. Donc je vous mets un petit peu, je fais un petit tour vite fait. Voilà, c'est vraiment super. Derrière la boîte, nous avons quelques infos. Ici, nous avons donc la version standard, donc juste le masque avec un petit socle très basique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour la version collector, celle que j'ai, vous avez donc un interrupteur sous le socle sur trois niveaux. Vous avez un niveau qui vous permet d'éteindre les lumières, donc les lumières qui se trouvent sur le socle, mais également donc sur les yeux. L'autre interrupteur vous permet de allumer juste une lumière blanche et les yeux. Et l'autre interrupteur vous permettra d'avoir les cinq lumières différentes et tout en allumant les yeux. Savoir aussi que vous pouvez également donc mettre le masque directement sur le mur, mais ça on va voir ça tout à l'heure. On va pouvoir passer au petit déballage. À l'intérieur de la boîte, quand vous avez enlevé en fait votre figurine, vous avez une illustration cartonnée qui peut s'enlever et qui reprend justement donc l'illustration du jeu 3DS, hormis bien sûr que vous n'avez pas Link au centre. Donc je trouve ça vraiment très intéressant si vous voulez justement faire un diorama. Vous avez juste qu'à enlever en fait le carton qui est à l'intérieur et mettre le masque juste devant. Autre chose que vous avez dans la boîte de la figurine, vous avez ce petit papier qui vous montre si vous voulez vraiment découper l'illustration, le carton, pour faire un petit carré. Bon, c'est ça à vous de voir. Vous avez également donc 500 points et un petit peu de publicité pour histoire de vous dire qu'il y a d'autres figurines qui sont sorties. Moi j'ai aussi la princesse Zelda, très belle figurine, et également le Link que vous pourrez retrouver déjà en vidéo sur ma chaîne. Je vais vous présenter le socle en premier. Alors sous le socle, comme je vous avais dit en début de vidéo, donc vous avez donc un interrupteur avec trois niveaux. Pour allumer la lumière, vous avez deux possibilités, soit vous mettez une batterie avec une référence 18500, ou soit vous mettez en fait un petit câble USB. Voilà, donc vous pouvez donc le brancher soit sur un secteur ou soit avec le PC. Vous avez plusieurs motifs donc sur le socle. Ils l'ont mis en deux parties, donc vous avez donc le blanc, ça qui sert de LED, et par-dessus ils ont mis en fait donc la matière noire par-dessus. Vous avez donc deux couches. Pour ici là, donc pour ça qui va justement maintenir en fait la figurine. Ici, ce n'est pas du PVC, c'est une sorte d'aluminium ou bien du métal. Ici par contre, là, à la base, c'est du PVC. Le Majora Mask en figurine. Donc déjà, premier visuel, c'est très coloré, très joli, très vif. C'est vraiment superbe quoi, de voir ça enfin à portée de main, si je puis dire comme ça. Derrière le masque, vous avez justement donc ici, pour mettre l'accrocher directement sur le mur. Vous pouvez mettre des piles aussi. Alors je vais vous la mesurer pour voir ce que ça donne. 19 cm comme ceci, du 15 cm. On est sur, si je prends donc la dernière pointe, on est sur du 29,5. Donc, je vais vous montrer avec les mains, regardez. Donc le masque est quand même assez grand. Très bien réalisé en tout cas. On a vraiment la sensation d'avoir le masque du jeu. On peut voir si au niveau des textures, hein, on a si vous voulez un côté usé, un côté vieux, hein, un côté bois on peut dire aussi, regardez. Donc vraiment on a un côté abîmé, hein, donc quelque chose de très très, je trouve, bien travaillé. Donc que ce soit donc sur l'avant mais également donc sur l'arrière, hein,
Regardez, donc vous avez vraiment le côté usé, hein. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien fait. Donc en tout cas, au niveau texture, on a vraiment une sensation d'avoir donc du bois usé. Les couleurs sont mates sur tout le masque, hormis les yeux qui sont brillants, mais également en fait sur les extrémités. Ici, je pense que c'est un autocollant au toucher. Donc j'espère que ça va bien tenir avec le temps. Au niveau des yeux, vous avez un petit dégradé entre le jaune et le rouge. Ça rend vraiment bien avec la lumière. Les couleurs sont, comme je vous dis, donc très colorées, très bien faites. Il faut également préciser qu'il y a une très belle finition, donc il n'y a pas de bavure. C'est vraiment très propre, hein. Donc j'ai pas trouvé vraiment de points négatifs sur la qualité du produit. Donc pas de bavure, couleur colorée, texture vraiment, sensation de bois. Voilà, écoutez, c'est vraiment bien. Peut-être la petite reproche ici là, donc c'est comme je vous dis, c'est peut-être un autocollant. Donc à voir avec le temps, j'espère que ça va pas s'enlever. Donc en tout cas, ils ont vraiment bien pensé pour ceux qui veulent le mettre sur le mur, en tout cas, très bonne idée. Donc maintenant, on va pouvoir le mettre sur le socle. Alors, il faudra faire attention parce qu'en fait, il faudra en fait l'incliner pour le mettre. Donc, faut pas le mettre droit. Donc, vous avez donc un détrompeur juste ici là. Donc, comme ça, on ne se trompe pas de sens. Attendez, hop, normalement, je vais essayer de le mettre. Voilà. Une fois que vous l'avez bien enfoncé, ça fait clic. Et donc, le masque est en fait légèrement incliné. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Et voilà ce que ça donne dans sa globalité une fois qu'il y a le socle. Attendez, je vais la reculer un petit peu comme ça. Voilà ce que ça donne dans sa globalité avec le socle. C'est vraiment bien fichu, bien joli. En tout cas, moi, je suis très content de cette figurine. Ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière et vous montrer un petit peu les lumières quand même. Et après, on passera à la conclusion. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc il n'a pas de lumière. Donc je vais soulever le socle et appuyer sur l'interrupteur. Je vais donc bouger d'un cran. Voilà, donc là on est au milieu du cran. Donc là vous avez donc la lumière blanche sur le socle et vous avez les yeux qui s'allument. Donc pour changer de mode, on retourne sous le socle et je change donc au troisième niveau. Voilà, donc là ce qu'on va voir, on va voir donc 5 lumières différentes. Donc le rouge, le vert, le bleu. Donc si je m'approche avec la main, ça va éteindre les yeux. Donc ensuite le bleu, vous avez le jaune et le blanc. Donc en termes de puissance de luminosité, ce n'est pas une lampe. C'est une veilleuse. Pour les yeux, vous avez donc 3 niveaux. Ça suit avec la main. Donc là, les yeux sont éteints. Donc je passe la main. Vous avez donc les yeux qui vont s'allumer. Donc ça sera en fait une intensité constante. Donc les yeux vont pas en fait, ils vont toujours rester ainsi. Donc si vous voulez les changer, vous passez encore une fois la main. Et là, les yeux vont scintiller. Vous voyez, ça scintille. Donc, à un moment donné, les yeux vont s'éteindre légèrement pour revenir. Attendons juste quelques secondes. Voilà. Donc là, ah, et ça va et ça revient. Voilà. Donc, 3 niveaux. Hop. Ça s'éteint. Continue. Et les yeux qui scintillent. Voilà. Est-ce que Mikado vous la conseille? Écoutez, pour 80 euros, vous avez une édition collector, une belle figurine plutôt quand même assez grande, comme vous avez pu le voir. Vous avez le socle qui est fourni, qui est lumineux, vous pouvez donc choisir de l'éteindre, de l'allumer, pareil pour les yeux. Vous pouvez également l'accrocher sur le mur. Donc franchement, elle est vraiment exquise cette figurine. Pour ceux qui ont connu Majora's Mask comme moi à l'époque, et qui sont fans de ce jeu, qu'ils ont aimé du moins. Oui, je vous conseille bien sûr, évidemment, ce masque.
plus une préférence sur la version collector que la version standard, parce que pour seulement 20 €, vous avez déjà un socle qui a de la gueule, mais également en fait les lumières. Donc franchement, prenez plutôt la version collector que la version standard. Après, faites votre avis. Moi, c'est juste un petit conseil. Et donc, ça sera tout. Donc, très belle réussite, en tout cas, de la marque. Je suis extrêmement content. Vous pouvez également, bien sûr, me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si vous voulez voir des photos que je fais circuler. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao.